Pierre, vous nous avez apporté une, ouais, vous voulez que une guitare, oui. Absolument. Ah oui, ouais. Ah ouais. Yeah. Oh, j'adore. Vous jouez, on chante. Alors. Samuel. Bon, alors, eh, par exemple. Dans un voyage en armoire. Que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe. Qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame. D'être une femme. Alors à vous maintenant. Femme des années 80, et femme jusqu'au bout des seins. Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, colombine carlequin. Sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire à être une femme. Être une femme. Bon, voilà, celle-là, vous la connaissez. Bravo! De Johnny. Mes chers parents. Ah oui, ah oui. Je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants. Ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Ça. Excellent. Force de briser dans les mains des guitares. Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Force de forcer ma force à cet effort. Pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. Ah, ah. Bon, ça vous connaissez. Bah, bien sûr, bon, j'ai oublié de vivre, Johnny Hallyday. J'ai oublié de vivre. Vivre. Magnifique, beau camion. Et la somme batteriste. La bombe, la bombe triste. Ah le... oh, bah oui. Je sens comme une bombe triste, comme une Marseillaise en mineur. Je parle en flûtiste autodidacte, sans taxe. Ah, je me sens comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers et en plus qu'a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Ah, je me sens définitivement comme une bombe triste. Définitivement comme une bombe triste. Oh oui. Bravo! Bravo, vous avez été parfait, Pierre. Vous avez été parfait, les enfants.